Jesus is the new wave. Still drop. Lord, I give you all the glory, glory, glory. And I give you all the honor, honor, yeah. For everything that you do, that you do, yeah. I'm praise your name, I'm praise your name. Hello guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui c'est une story time, je vais juste vous raconter comment j'ai parlé en langue. Alors tout d'abord j'étais une personne qui ne croyait pas au parler en langue, donc j'étais vraiment skeptical, je ne voulais pas le parler en langue, je me disais que c'est du n'importe quoi et que ça n'existe pas le parler en langue. Alors, de plus en plus, je commençais à me rapprocher de Dieu. C'était en 2016, je pense. Je commençais à me rapprocher de Dieu et je me disais, Seigneur Dieu de gloire, donne-moi le parler en langue. Je veux le parler en langue. Parce que si vraiment ça existe, je pense que je peux aussi parler en langue. Je veux parler en langue quand je prie, je veux faire tout cela. Alors, on était dans un groupe de jeunes et tout. Je me rappelle, ma sœur Gradia commençait à parler en langue avant moi. Alors, je me disais, Seigneur, je veux le parler en langue. Je veux parler en langue. Je veux parler en langue. Je veux vraiment parler en langue. Seigneur de gloire, donne-moi le parler en langue. Alors, je me rappelle, c'était en 2017, je pense, cette fois-ci. Alors, on était des jeunes. Alors, on s'est dit qu'au fait, il y avait mes sœurs, leurs amis et une autre amie qui était venue, Myriam, les Mervedi, les Gloria. Si vous êtes là et vous regardez cette vidéo, laissez-moi des commentaires. Alors, on s'est dit, ok, on va faire une veillée. On a décidé de faire une veillée. Pas de pasteur, pas de prophète, nothing. Just us. On a décidé de faire cette veillée entre jeunes et de chercher le parler en langue, de demander à Dieu de nous donner le parler en langue. Parce que Dieu dit au fait que demander, on vous donnera, je crois que c'est dans Matthieu 7:7. Demandez, on vous donnera, frappez, on va vous ouvrir, cherchez, vous trouverez. Alors, on a décidé de faire la veillée de prière pour que Dieu nous donne le parler en langue. On s'est dit, en tout cas, Dieu doit nous donner le parler en langue. Alors, on est allé, on a commencé à prier. Je me rappelle de cette nuit, c'était une nuit tellement intense. On a commencé à prier à 22h, 21h, 22h. Et on a commencé à prier, on a commencé à prier, on a tellement prié. Et chacun de son côté, je vous répète, il n'y avait pas d'imposition de main, il n'y avait rien, il n'y avait pas de pasteur. On était seulement des jeunes qui avaient la soif de Dieu, d'expérimenter les choses vraiment de Dieu, de parler en langue. On avait le désir de parler en langue. Moi, j'avais vraiment le désir de parler en langue. Parce que je me disais, c'est quelque chose que je ne comprends pas et je veux vraiment l'avoir. On a commencé à prier à 22h, 23h, minuit, 21h, 2h, 3h. Je me rappelle pas c'était quelle heure, mais en tout cas, dans la pièce, tu sentais que l'atmosphère a changé. Et je pense que l'Esprit de Dieu est tombé et les gens commençaient à crier. Les gens, mes sœurs. Je ne me rappelle pas parce que moi aussi j'étais dans mon coin parce que je me disais en tout cas, ce qui est tombé chez l'autre là, ça doit tomber sur moi. Donc chacun était de son côté. Donc c'était pas possible, c'était quelque chose que je n'ai jamais expérimenté. Et je pense que l'Esprit de Dieu est tombé et on a commencé à entendre des langues. Et j'ai commencé à m'entendre parler en langue, tu vois. Et je n'ai pas trop aimé. Je ne sais pas, je me disais mais comment ça, le son est trop bizarre. Et c'était trop bizarre. Après, c'est par là que le parler en langue est venu. Pendant cette nuit-là, ça a commencé à venir. Et après la prière, mes soeurs ont commencé à me dire, mais Patricia, ton parler en langue est trop bizarre. C'est un peu bizarre et tout ça. Alors, j'ai décidé de ne pas parler en langue. J'ai décidé de ne pas parler en langue. Surtout à l'église, j'avais honte de parler en langue. Et je crois qu'à un moment, je sais pas si j'ai commencé à perdre ça. Parce qu'au fait, c'est une langue que... C'est le parler en langue que Dieu te donne. Et donc vraiment, les gens se disent qu'au fait de parler en langue, dès que ça tombe sur toi, nanana, tu ne peux pas apprendre. Mais le fait déjà que la Bible dit que quand tu parles en langue, ton intelligence ne comprend pas. Ton intelligence reste bouche bée, tu vois. Donc, en quelque sorte, quand tu parles en langue, je pense que
ton intelligence peut capter quelques mots. Voilà pourquoi certaines personnes, ils copient le parler en langue d'autres personnes. Alors moi, j'avais honte de parler en langue à l'église et tout. Après, en priant, tu sens vraiment que ton parler en langue, ça shift. Et vraiment, Dieu m'a donné de parler en langue. J'étais une personne qui ne croyait pas en langue. Comme maintenant, je ne peux pas me mettre à parler en langue comme ça, c'est parce que ça ne va pas vous édifier. En ce moment ici, je ne vais pas me mettre à parler en langue parce que ça ne va pas édifier. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 14, ça parle du fait que si tu parles en langue et ça n'édifie pas le peuple, il vaut mieux te taire. Donc, je ne pense pas que je vais me mettre à parler en langue devant vous comme ça parce que ça ne va pas vous édifier. Mais ce qui vous édifie, c'est le fait que je parle français, je vous explique des mystères que vous comprenez. Mais le parler en langue, c'est vous dites des mystères à Dieu, tu vois, mais pas aux hommes. Donc voilà, un peu, cette histoire était vraiment une bonne histoire. C'était vraiment quelque chose de puissant. Le parler en langue, ça existe au fait. Mais c'est à toi de désirer et de demander à Dieu de te le montrer, de te le donner, tu vois. C'est quelque chose qui doit être aspiré. You have to aspire it. Tu dois aspirer au don de l'esprit, au parler en langue et Dieu va te le donner. J'espère vraiment que cette vidéo a aidé quelqu'un qui était skeptical. Moi, je ne croyais pas au parler en langue et Dieu me l'a donné parce que je l'ai cherché, tu vois. Et donc, enferme-toi dans ta chambre, demande à Dieu de te le donner. Il va te le donner d'une manière extraordinaire. Mais en même temps, ne t'arrête pas seulement à demander de parler en langue. Demande le don de prophétie. Parce que la Bible dit, dans 1 Corinthiens encore, qui parle 1:14, ça dit, vaut mieux demander ou bien vaut mieux prophétiser que parler en langue. Donc moi, je demande à Dieu la prophétie parce que je veux la prophétie. Je veux la prophétie, pas pour moi, mais pour aider les gens autour de moi, que Dieu prophétise. Et je pense que prophétiser, ce n'est pas seulement fait pour les prophètes. La Bible dit de demander ça. Prophétiser, c'est un don que le Saint-Esprit donne. Et si tu le demandes, ben, il va te le donner. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. J'espère que cette vidéo a aidé quelqu'un. Et laissez-moi des commentaires. Que Dieu vous bénisse. Bye!